Moi, j'ai deux fiertés dans la vie. La première, c'est d'avoir été suivi dans une aventure qui semblait complètement folle par les plus grands parfumeurs du métier. Mon autre fierté, ça a été de remettre les parfumeurs au centre du débat, en fait, de les nommer pour la première fois, parce qu'ils étaient inconnus jusqu'à présent, simplement en inscrivant leur nom sur le flacon de leur parfum, et de faire en sorte qu'ils soient désormais vécus par la profession, mais aussi par le public, comme des auteurs.